Bonsoir, bonsoir, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous conter une histoire. Son nom est Loup, le villageois, qui trompe à l'ours et le renard. Il était une fois, dans la blanche et profonde taïga russe, il y avait un villageois. Ce villageois avait plus d'esprit, d'intelligence et de malice dans son petit doigt que tous les autres villageois dans leur cervelle entière. Un jour, alors que le villageois labourait son champ, vint à passer un ours au poil dru et noir. Villageois, villageois, je vais te manger, lui dit-il d'une voix bourrue, avec un rictus malfaisant. « Attends, attends, l'ours !» supplia le villageois. « Laisse-moi faire une dernière chose. Je veux planter des betteraves. Tu auras toute ma récolte, toute. Je ne garderai pour moi que les racines. » L'ours accepta ce marché. Le villageois laboura son champ. Il planta ses betteraves, il les récolta et il alla vendre les racines au marché. Il demanda à l'ours de venir chercher les fans. Quand l'ours furieux comprit qu'il avait été trompé, il hurla sur le villageois. « Villageois ! Villageois ! Cette fois, je te mangerai. »« Attends, attends, l'ours !» supplia de nouveau le villageois. « Cette fois-ci, je vais planter du blé. Tu auras les racines et j'aurai ce qui pousse sur le dessus. » L'ours flairait une quelconque tromperie, mais accepta tout de même. Le villageois planta son blé. Il le moissonna. Avec les grains, il se fit une jolie somme au marché et avec la paille, il répara son toit. Pendant qu'il labourait son chaume, il demanda à l'ours de venir chercher son dû. Quand l'ours vit les racines étendues par terre, il entra dans une colère noire, comprenant qu'il avait été de nouveau roulé dans la farine. « Villageois ! Villageois ! Cette fois, je te mangerai !»« Très bien. Mange-moi. Je n'y peux rien, » soupira le villageois. « Mange-moi. Mais avant de me manger, « attends une seconde, je vais finir de réparer mon toit. Après, tu pourras me manger. » L'ours accepta, même si c'était en grognant, et alla faire une petite sieste dans le bois. Le villageois se remit à son ouvrage en pleurant à chaudes larmes. Vint passer un renard malicieux qui demanda d'un ton intéressé au villageois ce qui se passait. Eh bien, mon villageois, pourquoi es-tu si triste? Comment ne le serais-je pas? L'ours vient tout à l'heure pour me dévorer. Il va me manger. Il faut juste que je finisse de réparer mon toit. Le renard demanda. Que me donnerais-tu, mon cher villageois, je te débarrassais de cet ours? Je pense, mon renard, que je te donnerai deux poulettes bien rôties et cuites dans le beurre comme tu les aimes. Le renard se pourlécha les babines et accepta. Il demanda au villageois d'attendre et partit. 3 heures plus tard, quand le villageois eut terminé de réparer son toit, l'ours arriva, un sourire malfaisant aux lèvres. « Eh bien, mon villageois, es-tu prêt pour ta mort ?» C'était à ce moment précis que retentit un cri à la lisière du bois. « Oyez, oyez, bonnes gens, je suis un terrible chasseur de renards, d'ours et de loups. N'en avez-vous pas vu
se cacha derrière la voiture des villageois. Dis que tu n'as vu personne! Dis que tu n'as vu personne! Par pitié, mon villageois! Je te reprendrai ça! Supplia l'ours. Le villageois dit donc au renard, car c'était bien lui, qu'il n'avait vu personne. Mais il ne se laissa pas duper. Enfin, mon villageois, tu me dis que tu n'as vu aucun renard, aucun ours et aucun loup. Mais qu'est-ce donc que cette forme derrière ta voiture? Forme noire, d'ailleurs. Dis que c'est une souche! Dis que c'est une souche! Supplia de nouveau l'ours derrière la voiture. Le villageois dit donc que c'était une souche. Mais le renard se dit, il me ment, j'en suis sûr. Et il dit au villageois, enfin, mon villageois, ne soyez pas stupide. Si c'était une souche, elle serait attachée à la voiture. J'arrive et je viens l'examiner de plus près. Alors l'ours demanda au villageois de l'attacher à la voiture en attendant que le renard n'arrive. Le villageois l'attacha à la voiture. Alors, mon bon chasseur, dis-moi, que vois-tu donc d'autre qu'une souche? Le renard fronça les sourcils et dit, mon villageois, si c'était une souche, elle porterait des coups de hache! Tu me fais marcher. Alors le villageois saisit sa hache qui était posée à côté de lui et la planta dans le crâne de l'ours, le tuant net. Très bien, mon renard. Tu m'as aidé. Maintenant, je vais te donner ta récompense. Le renard accepta et suivit le villageois jusque dans sa chaumière. Là, il s'imaginait déjà le ventre plein avec les deux petits mètres rôtis et pleines de beurre. Mais quand le villageois ouvrit la porte de la chaumière, ce n'étaient pas des poulettes qui accoururent vers lui. C'était un énorme dogue noir avec la bave écumante aux lèvres qui se mit à le poursuivre. On dit qu'il le poursuit encore aujourd'hui. Le villageois riait aux larmes d'avoir si bien attrapé l'ours et le renard. Et moi, je ris aussi, car mon histoire, elle est finie.